Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'achat-revente et notamment on va voir les 7 avantages de l'achat-revente. Alors tu as certainement entendu parler de nouvelles recommandations du HCSF, de difficultés de se faire financer pour les investisseurs immobiliers et c'est pour ça qu'aujourd'hui si tu as regardé un petit peu autour de toi, beaucoup d'investisseurs immobiliers se rabattent sur la stratégie d'achat-revente, stratégie que j'applique moi depuis plusieurs années aujourd'hui en tant que marchand de biens professionnel. Et c'est pour ça que je voulais partager avec toi ces 7 avantages. On y va, on attaque. Avant ça, si tu y penses, eh ben, abonne-toi, ça me fera plaisir et tu seras au courant des nouvelles vidéos parce que crois-moi, il y a du lourd qui arrive. Alors, premier avantage, ça va être que tu peux commencer avec un petit budget. Ben oui, contrairement à de l'investissement locatif, là tu n'es pas contraint avec un type de bien. Si tu fais du locatif, ben, pour faire de la location étudiante ou pour faire de la location courte durée, tu es obligé d'acheter un petit appartement, un studio, un T2, peu importe, mais ça sera un appartement. Si tu fais de la colocation, tu es obligé d'acheter un grand appartement avec plusieurs chambres. Et si tu es contraint à un type de bien, tu es contraint aussi au niveau du budget. Mais le budget du bien n'est pas forcément ton budget disponible. L'avantage de l'achat-revente, c'est que là, tu vas pouvoir faire le contraire. Tu as ton budget et tu peux te dire, voilà, avec mon budget, qu'est-ce que je peux acheter pour faire de l'achat-revente? Donc, tu peux, avec un petit budget, commencer à par un parking, un garage, un terrain, un petit appartement, un grand appartement, une maison. Peu importe, tu vas pouvoir adapter le type de bien à ton budget plutôt que l'inverse. Et ça, c'est rien que pour commencer, un avantage fondamental de l'achat-revente. Deuxième avantage, ça va être ton taux d'endettement. Eh bien oui, aujourd'hui, avec les recommandations du HCSF, les investisseurs et même toute personne qui veut obtenir un prêt immobilier ne peut plus dépasser les 35% d'endettement. L'avantage de l'achat-revente, c'est que tu vas faire ton opération, tu vas monter ton taux d'endettement puisque tu vas le faire à crédit et dès que tu vas revendre, tu vas rembourser ton prêt et donc tu vas retrouver ton taux d'endettement initial. Et ce qui fait que bah, tu vas pouvoir repasser sur une nouvelle opération plutôt que d'être bloqué, puisque bah, tu auras toujours un taux d'endettement initial. Et il va même s'améliorer, on va voir ça. Troisième avantage, ça va être par rapport à ton apport. C'est un peu bizarre comme phrase d'ailleurs, par rapport à ton apport. Bon, enfin bref. Ton apport, bah, tu sais qu'aujourd'hui, quand tu vas emprunter à la banque, le banquier va te demander, dans la plupart des cas, de mettre de l'apport. L'inconvénient avec le locatif, c'est que quand tu vas mettre de l'apport, il va falloir que tu loues ton bien pendant un certain temps pour reconstituer ton apport, rien que pour récupérer l'argent que tu as donné au banquier. Et ça, ça peut prendre parfois plusieurs années. Donc, tu te dis, tiens, j'achète un bien, je vais gagner de l'argent avec mon bien, mais pendant 4 ans, 5 ans, 7 ans, je vais louer mon bien juste pour récupérer de l'argent que j'avais déjà avant. C'est un petit peu dommage. L'avantage de l'achat-revente, c'est que sur une opération courte, c'est le but de l'achat-revente, tu vas récupérer ton apport très rapidement. Donc, avec ton apport que tu vas récupérer rapidement, tu pourras repartir d'autant plus rapidement sur une nouvelle opération. Et ça, c'est un très gros avantage, c'est que tu récupères ton argent très vite. Quatrième avantage, ben, ça va être la facilité de financement. Alors oui, c'est vrai que financer un achat-revente, c'est pas simple, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais l'avantage ici, c'est que tu as un taux d'endettement ben, que tu vas retrouver initialement, voire même il va s'améliorer, parce qu'avec tes plus-values, tu peux être amené à rembourser des prêts que tu as déjà, des prêts consommation, des prêts voiture, peut-être faire un remboursement anticipé partiel ou total, voire même de ta résidence principale. Donc, tu vas pouvoir te désendetter, donc améliorer ton taux d'endettement. Et avec les plus-values que tu auras fait, tu vas aussi, avec le temps, augmenter ton apport. Donc, peut-être que la première opération, tu pourras mettre 5 000 euros d'apport. La deuxième, tu mettras 7 000, puis tu mettras 10 000, puis tu mettras 15 000. Et plus tu pourras mettre de l'apport, plus tu pourras emprunter plus et plus tu pourras passer sur des grosses opérations, voire même par la suite, pourquoi pas devenir professionnel si c'est une activité qui te plaît. Donc, entre le taux d'endettement qui est bas ou que tu vas retrouver à chaque opération, plus un apport que tu vas retrouver rapidement, voire même qui va augmenter, eh bien, quand tu cumules les deux, c'est le combo gagnant qui fait que tu as en fait un financement qui va être facilité plutôt que sur de l'investissement locatif où plus tu en fais, plus ça se complique. L'achat-revente, c'est le contraire. Plus tu en fais, plus c'est facile. Cinquième avantage, c'est les locataires.
C'est fini le locataire qui t'appelle le samedi matin parce qu'il y a un robinet qui coule, parce qu'il y a la chasse d'eau qui fuit, parce qu'il y a le cumulus qui fait du bruit, parce que les éboueurs ils passent à 3h du matin et donc ça fait du bruit dans la rue. C'est terminé tout ça, plus de problèmes de gestion, plus de problèmes de locataire, plus d'angoisse de loyer impayé, plus de problèmes avec le voisinage, etc. C'est terminé tout ça, plus de problèmes de gestion. Tu fais plus dans le social, maintenant tu es là pour gagner de l'argent, pour faire de l'immobilier et donc tu vas te cantonner à de l'immobilier, à gagner de l'argent. Et tu n'as plus la partie sociale, tu n'as plus le problème de gestion avec tes locataires. Et ça, c'est un avantage fondamental. Tu vas pouvoir enfin dormir tranquillement sur tes deux oreilles. Sixième avantage, c'est la fiscalité. Bah oui, la fiscalité, ça, tout le monde le sait. En fiscalité, c'est un petit peu instable en ce moment. Enfin, d'ailleurs, depuis très longtemps. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui quelle sera la fiscalité l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? On n'en sait rien, même au ministère des Finances, ils n'en savent rien puisque tous les 6 mois, ils nous sortent quelque chose de nouveau. L'avantage de l'achat-revente, c'est que, étant donné que tu fais des opérations courtes, eh bien, tu vas à chaque fois connaître ta fiscalité à l'avance. Alors oui, il y a une fiscalité, tu vas devoir payer de la plus-value dans certains cas, mais l'avantage de connaître ta fiscalité à l'avance, de savoir exactement comment tu vas être imposé sur ta plus-value, eh bien ça veut dire que tu peux l'optimiser et tu peux faire en sorte d'en payer le moins possible puisque tu sais exactement comment ça va fonctionner. Si tu fais du locatif, bah oui, tu vas aujourd'hui peut-être faire de la location meublée non professionnelle ou professionnelle de manière à optimiser ta fiscalité, mais il n'y a rien qui te dit que dans 2 ans, 3 ans, eh bien ces éléments-là vont pas changer et que tu vas te retrouver à devoir payer beaucoup plus d'impôts que ce que tu en payes aujourd'hui. Donc l'avantage de l'achat-revente, c'est que sur des opérations courtes, eh bien tu connais ta fiscalité à l'avance et qui dit anticipation dit possibilité de l'améliorer. Et enfin, 7e avantage, eh bien, c'est la rapidité. Avec une opération, tu vas pouvoir gagner l'équivalent de 10 ans de loyer. Ça veut dire que tu fais 5 opérations d'achat-revente, même si tu les fais sur 7 ans, 8 ans. Eh bien, en 5 opérations, tu vas pouvoir gagner en cash l'équivalent de 50 ans de cash flow. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Si ton objectif, c'est de gagner de l'argent avec l'immobilier, eh bien, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier très rapidement et tu vas pouvoir gagner un temps phénoménal. Voilà pour les 7 avantages de l'investissement, de l'achat-revente par rapport à l'investissement immobilier. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qui peut te coincer par rapport à ça. C'est quelque chose d'assez courant, c'est oui, mais je vais être imposé sur la plus-value, je vais quand même en donner une grosse partie aux impôts. C'est pour ça que j'ai prévu un cadeau pour toi. C'est un tuto de l'IMO spécial achat-revente. Tu cliques ici, tu auras accès à une vidéo privée avec 7 astuces pour réduire ton impôt sur la plus-value. Merci de ton écoute et je te dis à tout de suite si tu cliques.